Moi je viens d'un pays d'internet infini où tu surfes pendant des heures. Où pendant ton sommeil, même les trolls te harcèlent. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. Quand le poids vient du net et de sites pas très nets et s'insère profond dans ton corps, c'est l'instant envoûtant où tu trouves en cliquant une véritable mine d'or. Aux nuits d'insomnie, mille jeux de folie, tout ce que tu joues juste après minuit jusqu'au lever du jour. D'insomnie, mon regard devient lourd, comme un fou qui se perd au cœur d'internet à travers l'amour. Big Fish Games et Phénomène Games présentent une nuit de pleine lune sous une tempête. Une Cadillac se gare devant un manoir, somme toute assez cosy. Une figure noire encapuchonnée sonne à la porte. Is that from grandmother? What's inside? Let's open it. That's all. There's no return address. It's a painting. Cool. I want to hang it in my room. Wow. Wow, le cul de la MILF. Pardon, plus tard ce soir-là. Oh shit, Billy, je t'avais dit de regarder YouPorn avant de te coucher pour plus faire de terreur nocturne. Billy. Drama. Plusieurs mois de drama plus tard. Et une enquête du FBI. I can't see your son. He fell into the trap of a monstrous creature. The police and FBI have looked everywhere, but they can't find any trace of him. Now I don't know what to do. I can put you on the path to finding your son, but whether or not you'll return depends on you and you alone. I'm ready for anything. Just tell me where to start looking. Close your eyes and take a deep breath. Your quest is about to begin. Faites-moi confiance, je fais partie des forces spéciales gitanes. Ça veut rien dire. Bonjour, MILF Lennon. Cliquez pour sélectionner un profil. Bienvenue, bienvenue, chers amis, bienvenue sur Fantabob Games pour un petit play-through, un play-through en 6 épisodes à peine. Le jeu est assez court, paraît-il. De toute façon, il y a 6 niveaux, c'est pas non plus la fin du monde, ça va être assez simple. Bienvenue dans Lost Souls. Le portrait ensorcelé. Édition collector, attention. Les âmes perdues. The Cursed Portrait, eh ben c'est absolument formidable. Bonsoir et bienvenue. Alors un petit jeu à la con, quand j'en ai parlé à Fanta, j'ai découvert ce jeu en fait par pur hasard. J'écoutais de la musique au pif sur YouTube et je suis tombé sur la musique de ce jeu. Écoutez cette musique. Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau, moi ça me parle. Moi ça me parle, cette musique elle est absolument sublime. Et du coup ce jeu, chers amis, ce jeu, mais bon, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh ben c'est un point and click à la con dans lequel vous jouez une MILF qui n'a pas de nom, on va l'appeler Cassandra pour la forme, hein, et qui doit sauver son fils Billy. Alors que tous ceux dans les commentaires YouTube qui croient que Cassandra c'est pas du tout sa mère mais sa grande sœur, levez la main parce que... Soyez honnête, elle est ultra bonne. Mais dans tous les cas, voilà, nous voici plongés, chers amis, dans la psyché la plus profonde d'un monde de cauchemars. Bienvenue dans les ténèbres de Poudlard. Oh, c'est le principe. Nous devons... le but du jeu, chers amis, c'est un point and click et nous devons sauver notre fils, le pauvre Billy, qui a été enfermé dans ce tableau démoniaque en allant dans d'autres tableaux pour récupérer... Bah, je sais pas, pour récupérer l'objet nécessaire qui permet de le faire sortir. Pour l'instant, j'ai absolument rien vu du jeu. J'ai juste pris comme ça on a Wim. Fanta m'a dit, ah mais oui, mais j'en faisais plein quand j'étais gosse, ça. Enfin, quand j'étais plus jeune. C'était des jeux faciles à accéder, c'est des jeux pour gosses, c'est super. C'est des trucs, mais c'est apparemment c'est vieux comme concept. C'est des vieux point and click games tout pourris. Et moi je suis content de voir qu'il en sort encore durant ces belles années. Allez, du coup, on se lance dans la game.
Mode facile. Bouton indice est passé, se recharge bien, les objectifs sont annulés. Mode expert. On y croit, j'en ai rien à foutre. Maman, ma pauvre maman. Billy, non. Et c'est bon. Oh shit. Oh, ce drama. Bon. Eh bien écoutez, plongeons-nous-y, chers amis. Il faut savoir que c'est un jeu qui est sur la même longueur d'onde des nuits d'insomnie. Donc préparez-vous à voir bizarrerie, étrangeté, décors étranges et voix absolument foireuses. C'est parti. Ah putain, mais il faut que je balaye. Oh putain, mais il faut que je balaye quoi. Oh, la simulation de ménage. Ménage 2016 édition. Putain, déjà je range pas mon appart, mais si en plus faut que je nettoie dans mes jeux maintenant, ça veut rien dire. Allons-y. Oh, le monde gelé. Welcome to our valley. What brings you here, stranger? Bonjour, Dumbledore. My missing son. Have you? It isn't just you. All the worlds are suffering from the actions of the evil wizard Adshel. Our world is no exception. The magic flame that gave our land nourishment has been extinguished. A blizzard demon is using frost and suffering to sow the seeds of destruction. It's getting colder and colder here with each passing day. Help to revive the magic flame in order to bring our world back to life. As a sign of our gratitude, we will help you on your quest to find your son. Bon. Et bien pour tous ceux qui se posaient la question de savoir où était parti l'acteur de Dumbledore dans Harry Potter, le premier film, celui qui était mort, il est là. Il est là et voilà le principe du jeu, chers amis. Bonjour, je suis entré dans ce tableau magique pour retrouver une des parties de l'âme de mon fils. Je dois absolument le sauver. Oui, tu dois sauver le monde. Prends cette épée et va buter l'espèce d'esprit du mal qui souffle le gel au-dessus de nous. Mais je suis pas un chevalier de Zodiac et... Voilà un balai. Bonne chance. Ok, je... La négociation la plus rapide du monde, quoi, ça ne veut rien dire. Ok, très bien. Notre monde va geler, aidez-nous à ramener la flamme à l'hôtel magique pour qu'il retrouve la chaleur. Aidez-nous à réchauffer notre monde en ramenant la flamme à l'hôtel magique. Si vous avez une barre, je peux faire un peu de pole dancing. Dans ma jeunesse, je... Enfin bon, allons-y. Ces oiseaux ont l'air inquiets. Ah bah forcément, ils sont en stress. L'autre, elle n'arrête pas de lui poquer le bout de la gorge. Qu'est-ce que... Oh, oh, oh. Il y a quelque chose dans la neige. Ah ah, une pelle. Voyons voir si je suis pas encore trop con. Ah ah. Pelletage de neige simulator. Allons-y. Très bien. On va mâcher. C'est l'hôtel magique. Très bien, très bien. Ces oiseaux ont l'air inquiets. Tiens, reprends ton piaf. Ah oh 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 oh. À moi. À moi, c'est quoi ça? Récupérer des pièces pour obtenir des trophées. Ah merde. Ah merde, mais tu m'aides pas du coup? Oh le piaf à la con! Il n'y a plus rien à faire ici, cliquez sur la carte, mais ok. En tout cas, c'est joli dans le sens, c'est joli comme Peggle est joli, ou c'est joli comme Nuit d'Insomnie est joli, vous voyez ce que je veux dire? Me demande même si je vais pas mettre Nuit d'Insomnie avant ce jeu quoi, j'ose. Ok, allons dans les écuries, tiens. C'est un bon début de bonhomme de neige, très bien. Là, je peux pas récupérer ça. Ah ah, une hache. Voilà. Voilà une arme. Oh putain, qu'est-ce que tu faisais sur le toit? Ah ah, une pièce magique. D'accord, donc j'imagine qu'il faut la récupérer. Tas de foin. Ok, très bien. À moi du fric. La glace m'empêche de les atteindre. Oh, une carotte. Un seau. Attends, je peux pas récupérer ça. Un tonneau, très bien. C'est fermé, très bien. Je dirais que je ne peux pas utiliser ça ici. Ah ah! Je m'en doutais. Hop! Hop! Il faut sauver mon fils, vite! Je veux faire un bonhomme de neige! Est-ce qu'il faut que je lui donne la hache? Non? Je pense qu'il n'y a pas tous les éléments. Merde, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, putain? Il est parfait, ce bonhomme de neige! Petit, allons au château. Messieurs, bonjour. Seuls les nobles peuvent entrer, ou ceux qui font une petite donation. Waouh, il veut que je lui suce la bite.
Mais ils sont pas gays normalement eux dans Undertale? Enfin bon, c'est pas très grave. Ce chandelier illumine le hall, très bien. Oh, oh. Va-t'en, allez, ous! Il me snob. Le chien, il n'a rien à foutre. Je peux pas prendre l'épée? Oh, à moi, 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 moi. Oh shit! Comment il s'appelle? Etiel, c'est ça? Le chat, aidez-moi le chat. Comment il s'appelle? Etiel? Il n'y a plus rien à faire ici, cliquez sur la terre. Alors il faut savoir que je fais ça en live et qu'il y a le chat pour m'aider. Clef plus serrure. Ah merde, oui, vous avez raison. Mes excuses. Le Hénon est perdu par le monde absolument merveilleux et formidable. Oh, le double tour, ouais. Si le nom d'un objet est écrit en jaune, cela signifie que cet objet est mieux caché que les autres. Cliquez sur le coffre. What? What, what? Ne cliquez pas n'importe où. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Excusez-moi, je viens de comprendre. En fait, l'objectif, chers amis, est de récupérer les objets qui sont listés en bas. D'accord, c'est pas sorcier. Un enfant de 8 ans aurait pu le piger. C'est juste moi qui suis trop con. Ne cliquez pas n'importe où. J'avoue, je clique un peu au pif. Voyons voir. Il nous faut une bougie. Donc ça, c'est une bougie. Un boulier. Putain, tu veux, je trouve... Ah, là, bah d'accord. Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Un rasoir, un lézard, une bobine de fil. Ah ah, la bobine de fil. Le rasoir. Putain, bien planqué. Le sucre. La roue. Très bien. Une flèche. Alors une flèche, elle va être planquée de manière pute, j'imagine, dans le bois ou... Ah ah. Très bien. Un trèfle. Non, ça c'est vert, non ça c'est... Ah, le trèfle est là. Oh, ils auraient pu le mettre à 4 feuilles, ils sont plus... Et un lézard. Putain, nique ta mère. Ah ah. Oh, ils ont triché pour le lézard, mais... Et du coup, je récupère une bougie. Ah bah c'est malin. Je range la moitié des écuries d'Ogias. J'y passe 3 quarts d'heure de milf à faire le ménage comme dans la chambre à Billy. Et on me donne une putain de bougie. Ah bah c'est malin. C'est malin. Ok, très bien. J'ai une idée, mais... Ah ah! Il n'y a plus rien à faire ici. Cliquez sur la carte. Mais nique ta mère, je veux fondre le... Ah, là, peut-être. Ah ah! Ça marche! La technologie, à moi l'argent, je m'en fous de Béné! Je pars en Roumanie, je m'achète une roulotte. Impeccable. Impeccable. C'est métal, mais ça marche. Ça marche. J'ai récupéré des objets bignoum assez magiques, assez bizarres. Il n'y a plus rien à faire ici, cliquez sur la carte. Ils sont quand même gentils de me le dire. Ah, de l'argent. Il manque quelque chose ici. Déjà, je ne peux pas l'utiliser. D'accord, très bien. Ah oui, une donation, il voulait du fric. Tiens, voilà du bling. Oh! Vous pouvez passer. La corruption! Maintenant, il faut assassiner le roi. Il est où? C'était Dumbledore, merde. Alors déjà, on va récupérer les pièces. Les pièces magiques. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un truc d'astronome, ça? Mais genre old school? Genre le même qu'il y a dans Mickey? Oh! Star Platinum! Oh, je peux le récupérer! Oh, j'ai les météores de Pégase! Très bien, Je ne vois rien, c'est couvert de poussière. Je fais le ménage! Je fais le ménage pour retrouver mon fils! Voilà, très bien. Impeccable. La constellation de la balance! Wouah, trop bien! C'est la constellation du Sagittaire au pif! Wouah! Trop bien! Bob passion ménage, quoi. Le linge. C'est qui ça? C'est Andromède? Non, il me semble qu'Andromède elle enchaîne, non? Si, peut-être? Je ne sais pas. Après,
Qui c'est? Ils sont peut-être fans des chevaliers de Zodiac. Cette étoile-là. Ça. Et ça. Voilà, parfait. Personnellement, j'ai jamais rien compris aux constellations. Alors, ça fait un cheval. Non, ça fait un Shadok, mais un Shadok attardé, en fait. Personnellement, l'astronomie est un des trucs qui me passe par-dessus. Je comprends pour le repérage, mais... Ah, c'est un lion, c'est même pas un cheval, en plus, putain. Victoire, bon. Alors, on me disait que c'était la Vierge, très bien, excellent. Donc c'était la Vierge, la Balance, la Vierge et le Lion, et Sagittaire. On dirait un code, je vais le recopier au cas où. Scorpion, Poisson, Pif... C'est Bélier ou Capricorne, ça? Bon, et Lion, très bien. Ok, très bien. Je pense qu'il n'y a pas tous les éléments. Très bien. J'essaie de bourrer. Ah non, reviens. J'essaie de bourrer. Ah oui, pardon, j'avais pas vu que ça brillait là. Excusez-moi. Oui. Bob Passion Ménage, impeccable, 1000 Phlénones, toujours efficace, et j'ai obtenu une page. J'ai récupéré une pioche, j'ai bien fait de fouiller un peu plus, excusez-moi. J'en profite pour fouiller, hein. Si jamais je manque des pièces, n'hésitez pas à me le dire. Ça marche pas, ça? D'accord. Alors, pour faire du vert, il nous faut du bleu et du jaune. Très bien. Ça marche. Ouais, très bien, ça nettoie. Très bien, j'ai compris. Du violet. Il nous faut du rouge et du bleu. Voilà, donc ça fait du violet. Il nous faut du bleu ensuite. Ok, elle est bonne. Impeccable. Je sais absolument pas ce que je suis en train de foutre, mais je me laisse porter par l'aventure, chers amis. Merde, j'ai niqué. J'ai tout pété. Oh putain, je vais me faire engueuler. Non, c'est bon, j'ai. Ça. Ok, alors du violet. Très bien. Des étoiles de Jojo. Du bleu et du bleu. Ça va, ils ont pas trop compliqué le... Merde. Et il nous manque une fleur de lys. Très bien. On peut pas fouiller les tiroirs, y a rien d'autre. Le poisson rouge, non, pas le poisson rouge. Non, y a rien d'autre. Non, bah je suis revenu. Tcha. Putain, il en a rien à foutre, ce chat. Il en a absolument rien à péter. Je ne pourrais pas l'ouvrir sans un outil adapté. Fuck la police! Yes! Parfait! Alors, si je me souviens, scorpion, poiscaille, un truc au pif, on ne sait pas. Probablement la balance. Caprilord et lion. C'est ouvert! Yes! On y croit. Oh putain, il faut ranger. Un écureuil! Ne cliquez pas n'importe où. Ah merde. D'accord. Alors, une pièce déjà, là il y a de l'argent. Je cherche les pièces. Hein. Ah, un crâne, il me le fallait. Ok, très bien. Essayons de chercher de manière... Oh putain, j'ai eu de la veine, celui-là, je l'ai pas vu. Ça, je me suis douté.
Ça, je me suis douté. En fait, c'est quand tu vois les objets à moitié cachés, sans même lire ce qu'il faut que tu cherches. Merde. But it refused. Ok, fusil. Ça. Marteau. Là. Chapeau. Là. Queue de renard. Queue de renard ? Queue de renard, c'est ça ? Non. Non, d'accord, c'est vraiment une queue de renard. D'accord, je m'attendais à une arme ou un truc comme ça. Parchemin. Parchemin, cadenas, pince. Bon, la pince est là. Ça, c'est cool. Le parchemin est là et le cadenas. Aha ! Victoire ! Et maintenant, salle de trésor, tu me donnes une arme et un râteau. Personnellement, j'aurais bien voulu l'épée bâtarde, là. Ou un fusil. Un fusil, ou tu sais, parce qu'il y a des munitions de fusil au sol. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment des munitions de fusil au sol de 1800, si je puis me permettre. Ça ressemble quand même un peu à des cartouches de fusil à pompe, hein. Mais bon. Queue de renard, c'est aussi une fleur, Bob. Je ne le savais pas. Très bien. Un râteau. Allez, psst. Non, il veut pas partir. Il veut pas partir. Et ben voilà. Aha! Une écharpe! C'est du génie! The fuck is that? Montre à gousser, d'accord, très bien. Pardon. Il faut que j'entre là-dedans. Encore? Ah, mais ça change, d'accord. Là, il faut que je trouve les objets qui sont montrés. Très bien. Donc là, il y a ce symbole. Les jumelles, je les vois pas. Ça, je l'avais vu, il était là. Merde. Ah, ça s'est pris, ça s'est trouvé. Dehors des objets au pif, voilà, ça s'est trouvé, ça s'est trouvé. Ça s'est trouvé. Une carotte. Où est-ce que je trouve une carotte? Ah ah, elle était bien planquée, celle-là, bien jouée. Une pomme, là voilà, elle était juste derrière le slip. Une échelle, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un truc pour cheval, mais j'ignore ce que c'est. C'est pas ça? Ah, c'est ça. Très bien, le miroir. Oh, cette musique! Mais cette musique, chers amis! Oh, Utsukushi! Moi, je surkiffe la musique de ce jeu. Ah ah, une photo d'un chameau! Et j'ai récupéré une photo d'un chameau. Merci, monsieur cheval. Pas de quoi. Endroit terminé, yes. Au revoir, monsieur bonhomme de neige. Est-ce qu'on peut y retourner par nostalgie? Non, putain, le bonhomme de neige, il nous a vidé, quoi. Rien à foutre. Ah, ça recommence. Ah, d'accord, ok, très bien. Très bien. Le gant, il est là. Une hache. Une ceinture, putain, je suis perdu. L'épaulière. Par contre, cette musique, quoi. Putain, encore un symbole, j'ai failli manquer. Les pièces magiques, les enfants. Alors, attends, une clé à molette, un truc comme ça. Je bourre. Aïe. Ça veut pas. Petite refused. Ah ah! Pas mal. La laisse, je l'avais trouvée là. La chette, c'est celle-là. La ceinture. J'avais vu une Morgenstern. Où est-ce que j'avais vu la Morgenstern? Ah! Oh, bien planqué, sa salope. La ceinture est là. Le symbole magique est là. La photo de la grenouille, elle est là. La tête de bison. Enfin, la tête de mouton, m'avez compris. Enfin, pas de mouton, mais de bélier. Voilà, elle est là. La Morgenstern, elle est là. C'est pas une Morgenstern, ça? Ah non, elle est là, la Morgenstern. Très bien. Une clé. Motherfucker, où est-ce que je vais trouver une clé? Ah, le symbole magique, il est là. Putain, tu veux que je trouve un scarabée? T'es sérieux? Nique ta mère, t'es où le scarabée? Ah, il faut savoir que ça va vite vous énerver. Je suis pas le plus fort à ce genre de jeu. Ah, il est là. Et la clé. La clé. Je suis sûr, elle est même pas planquée en plus. Elle est devant mes yeux. Genre, je suis sûr, c'est rageant en fait. Euh...
Bah merde alors, je suis vraiment qu'une queue. Excusez-moi, hein, je cherche le néon bloqué par un jeu pour enfants de 8 ans. Putain. Elle était là, bien planquée celle-là. Mes excuses pour ceux qui l'ont repéré, hein, mais je... Personnellement, je suis pas daltonien, mais ça doit pas aider, quoi. Alors, je récupère une photo de grenouille. C'est cool. Ça m'arrose pas beaucoup, mais c'est cool. Très bien, pénétrons. Ah, je peux plus pénétrer, très bien. Dans le study, est-ce que j'ai raté une pièce? J'espère que je n'ai pas raté de pièce. Là, il y a un piaf. Là, il y a une armoire. Qu'est-ce que j'ai raté ici? Ah oui, il y a le dernier emblème à peindre, mais je ne sais toujours pas à quoi ils servent. Donc quelque part, c'est un peu useless. Il y a un truc qui m'échappe. Hypnotiser le chat, peut-être? Non, ça ne marche pas. Utiliser les étoiles magiques sur le chaton? Non, ça ne marche pas non plus. C'est pourquoi j'ai... Ah merde, je voulais pas. J'ai claqué un indice. Ouais, bah oui, bah c'est très bien, mais... C'est très bien, mais ça ne m'avance pas. Plus rien à faire ici, cliquez sur la carte. Donc là, il n'y a plus rien à faire, là, il n'y a rien à faire. Enfin, je vérifie, non. Tiens, Dumbledore, tu veux une montre? Non, il veut pas une montre, il s'en fout. Très bien. Oh, une nouvelle zone. Comment ça se fait que je l'ai pas vue, celle-là? On est où, attends? Le bureau, d'accord, ah, d'accord, c'est en se poussant, ils ont donné accès au bureau, très bien. Récupérons les pièces, récupérons l'argent. Oula, qu'ai-je fait? Les pièces magiques. Il doit y en avoir d'autres. Oh, le symbole de la WWE! Une lettre, d'accord, très bien. Des baies, une pomme de pin, un ciseau, une reine, des sucettes. Sucettes doit être, voilà, dans le tiroir. Le bonhomme de neige, je ne peux pas. Le chiffre 9, ça n'est pas ça. La pomme de pin, elle est là. La noix, elle est là. Le chapeau, il est là. La citrouille, elle est là. Le chiffre 3, il est là. Ça doit être utile plus tard. Ne cliquez pas n'importe où. Et merde! Bon, pas de panique. Oh, le renne, il était planqué. Ciseaux, reine, balance, alors la balance elle est là. La coupelle de lait, c'est ça sans doute. Le lapin, il est là le lapin. J'ai vu le lapin. Les baies, le trèfle, les baies ça doit être ça. Le trèfle il est là, bien planqué. Et les ciseaux, ils sont là. Impeccable, on y arrive chers amis. J'obtiens une coupelle de lait. D'oublier une chaussure, tellement content, c'est la violence. The fuck is this with this place? Alors attends. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Une clé! Excellent! Et une balance. Ah ah! Oh my! Mais c'est pas May de Overwatch? C'est sa petite sœur, c'est la violence, bonjour! J'ai perdu un objet qui est dans la famille depuis des générations, je l'ai cherché partout. Si vous trouvez une montre à gousset ancienne, dites-le moi. Ah bah bien sûr, mais contre une nuit de plaisir. Merci, prenez ceci en guise de remerciement. Un tournevis? Tu veux que je planque qui? Ah merde! May de Overwatch qui veut que je plante des gens, quoi. Voilà, très bien. Là. Alors, voyons voir. Cette porte n'a pas de poignée. Ah. Ah. On a un nouveau mystère qui s'épaissit, chers amis. Wait. Ah ah! Ah ah! Et merde. Demi-tour. Demi-tour. Ah ah!
Ah ah ! L'aigle royal ! Je prends tout ! Qu'est-ce que c'est que cette couille ? Très bien, c'est une couille, c'est pas grave. Ok, le chat ! Voilà ! Ah, oh, la fleur de lys, excellent ! Du coup, on peut aller la peindre. Hop, voilà, un coup de mout-mout. Putain, regarde ça, quelle agilité je fais ça, quoi. Efficacité ! Efficacité ! Hop, 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 hop. Excellent, une deuxième de ces joyaux. C'est très... endroit terminé. Ah, et ben salut à vous, plus jamais je vous vois, bande d'enfoirés. Très bien, il faut retourner sur la table, allons-y. Une couronne, je l'ai vue, elle était là. Le chiffre 9, je l'avais... Oh, de l'argent. Chiffre 9, je l'avais vu, il était là. Ah ouais, ok, carrément. Ah ouais, 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 ok. Chers amis, donc après ce petit bug au fromage absolument délicieux, le jeu a été suffisamment gentil pour sauvegarder ma progression, et allons-y. Allons-y. On va voir ce qui faisait planter. Qu'est-ce qui a été fait planter ? C'était... Quelque chose avait fait planter, mais je ne sais pas quoi. Bon, c'est sans importance. Ne cliquez pas n'importe où. Aïe. C'est pas cet orange qui avait fait planter ? Voilà. Non, c'est bon, tout va bien. On est revenu, très bien. Je récupère donc cette pièce, à moi l'argent. Jingle bells. Là, le flocon de neige. La note de musique, elle est là, j'avais bien raison de la noter mentalement précédemment. Là, il y a un joli cul. Merde. Le jeu qui me... Call me out on my bullshit. Là, il y a... C'est un gant, ça ? C'est quoi, ça ? On ne saura jamais, très bien. Une carotte. Une poupée. De la vanille. C'est de la vanille, ça ? Je suis pas sûr que ce soit de la vanille, c'est pas grave. Et le piaf, il est là. La clé. Passe-partout, la clé. Où est la clé, passe-partout ? Passe-partout a perdu la clé. Très bien, bah, excellent, on y arrive. Il n'y a pas de problème. Excellent Gisèle. Ah, la poignée, bien planquée. La poignée qualitative. La poignée qualitative. Où est la clé? Ah, c'est le grand mystère, chers amis. Le grand mystère de savoir où est la clé pour un jeu pour gosses. Hein. Je suis désolé, hein. Encore une fois, on s'amuse avec ce qu'on a, mais la musique est tellement détendante. J'espère que vous regardez ça le soir et que vous êtes posé. Putain, merde. Oh, mais elle était sous mon curseur depuis tout à l'heure. Ah bah, très bien. Excellent. Poignée de porte obtenue. Eh ben, en d'autres termes... Dans d'autres circonstances, j'aurais été circonspect. Bonjour, May. Pardon. J'aurais été circonspect, mais là... Ah, ah. Vous devez sécuriser la poignée de porte. Qu'est-ce qu'il faut? Faut appeler Manuel Valls. Ah non, le tournevis, d'accord. Voilà, très bien. Ah, ah. Un Chaos Emerald, excellent. Qu'est-ce qui s'ouvrait avec des Chaos Emerald? Wait. Ah, j'ai compris. Il faut trouver le poids en utilisant cet ancien système de comptabilisation. Voilà, exactement. Et un tout petit peu plus que 30 kilos. Donc j'imagine, pour faire bien chier, c'est 29. Ah là, c'est ça, 29 kilos. Enfin, c'est pas des kilos, mais vous m'avez compris, quoi. Voilà, en vrai, il fait 2,9 kilos, voilà. Mais on va dire 29 kilos, c'est plus drôle. Voyons voir. Un peu trop, très bien. Donc ça doit être 15 plus 3 plus 1. Voilà, 19 kilos, très bien. Et j'imagine que l'autre va être super lourd. Ouais, c'est ça. Un peu plus que 35, bien sûr, pour me faire chier. Donc ça va être 34. Impeccable. Excellent. J'ai donc le poids de ces saloperies. Et donc... le mot de passe de la combinaison. Badabada. Je
Je les mets là pour le drama, vous allez voir. Oh, j'aime bien les ouvrir en même temps, ça m'excite. Utskushi ! Et j'ai récupéré un pingouin. Oh, oh, oh ! Est-ce que c'est la flamme de la chaleur corporelle ? La flamme de l'été ? La flamme doudoune ? La flamme de la doudoune ! Oh, délicieux ! Dumbledore, regarde ce que j'ai ! Sniff ça, mon vieux ! Ah, ça sent la liberté, fils de pute ! Eternal Glorious Sun ! Yes ! Power ! Ha ha ! Je suis une MILF de 31 ans et je viens de sauver ta galaxie. Qu'est-ce t'en dis, fils de pute ? Notre monde vous est reconnaissant. Prenez ce fragment de tableau, il vous aidera dans vos recherches. Cependant, un seul fragment ne suffira pas. Bah oui, c'est lequel ? Que dois-je faire maintenant ? Vous devez vous rendre dans un autre monde où vous trouverez d'autres fragments de tableau. Bonne chance ! Ah bah quand même, bon bah c'est la moitié du cerveau et des yeux. Bon, tant qu'il n'y a pas la bouche, tout va bien. Allons-y. Victoire, victoire ! Bon oui ! Oh là 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 ! Victory ! 31 ans, what ? Elle en fait 25 max ? Bah en fait, je sais pas quel âge elle a cette MILF, mais c'est la violence quoi. Moi je lui en donne 21 et pas de gosse quoi, ça veut rien dire. Elle est trop bonne. Enfin bon, c'est une catégorie, mais recte le nuage quoi. Victoire totale, oh là là, avec cette musique. Et ben voilà, chers amis, c'était le premier, 5 premiers chapitres, très bien. C'était le premier monde et le premier niveau de Lost Souls, The Enchanted Painting, le portrait ensorcelé, éditeur collection. Nous avons récupéré une partie de l'âme de Billy. Abonnez-vous à la chaîne, faites des bisous et laissez un pouce vert si vous voulez sauver Billy avec la MILF. Sur ce, cette musique absolument délicieuse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine sur Fantabob Games. Allez, zou. Oh.